Bon. Lea Serna maintenant, la championne de France en titre qui a terminé première hier du programme court avec un total de 62-13. Ouais, super, magnifique, quelle prestation de la part de Lea Serna qui vient déjà de s'assurer de place sur la boîte, mais ça, on n'avait pas trop de doute là-dessus, Alban, et là, elle vient quand même de placer une barre très très haute pour Lola Shield et Lola Gozzali et Lorin Shield qui vont s'élancer juste après, oui. Parce que ça a été tout simplement un sans faute. Un sans faute, alors après elle aurait pu quand même déclencher le triple salco, et je pense que le double axel triple boucle piqué va être dégradé.